favoritísimo. Sí. ¡A chica! ¡Hola! Samantha? Samantha! Où j'arrive? Je suis presque arrivée! Oh mon Dieu! Si! Oh non! Chantal! J'ai grossi! Tu vas faire du sport, là? Ouais. Mais je croyais qu'on devait préparer l'hiver. Bah justement, je vais faire un footing d'hiver. Un footing d'hiver? Ouais. C'est quoi la différence avec un footing d'été? Bah je te montre. Fait trop froid, j'irai demain. Alors qu'un footing d'été, c'est... Ah, fait trop chaud, hein. J'irai demain. Rien à voir. T'es sûr que tu veux pas que je te remplace? Non, merci, Chantal. Chacun son rôle, hein. Moi, je stocke les provisions. Et toi, tu stockes les graisses. Samantha. Oui? Non, ici. Oh. Tu veux pas m'accompagner faire pipi, s'il te plaît? Je sais plus où se trouve la lumière dans le couloir. Prends cette bougie. Maintenant que t'es à la campagne, faut savoir être débrouillarde, hein? Les allumettes. Allumettes. C'est au fond du couloir, comme au troisième tiroir. Attends, Samantha, mais t'avais une lampe torche? Bah oui, sinon je galère à chaque fois pour trouver les allumettes, hein. Samantha, on est vraiment dans le rouge, là. Faut absolument que tu te souviennes où est-ce que t'as mis nos économies. Oui, mais je sais plus. Concentre-toi, s'il te plaît. Dans le jardin? Dans le matelas? Ah non. Je sais pas, moi, dans le placard? Oui! C'est ça! Dans le placard! C'est dans le placard, Chantal! Viens, viens! Alors voilà, j'ai mis toutes nos économies. Là-dedans. Ça, ce sont les économies d'hiver. Et ça, ce sont les économies pour l'été. Non, cherche pas, il n'y a pas ta taille. Dis, ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu le client de la chambre 12. Oui, ça commence à se faire, t'as rien dit? Ben non, il me semble pas, enfin je... Rappelle-toi, la dernière fois que tu l'as vu, ça reviendra peut-être. Ben, il est venu à la réception et là, il me fait « j'ai perdu mes clés ». Encore? Ben oui. Donc là, je lui ai donné un de nos fameux porte-clés impossible à perdre. Et après, il m'a dit qu'il allait nager au lac. Bon, ben, il finira bien par refaire surface un jour. Si. If it don't mean nothing.
Grosse pression pour un champion. Il y a pas mal d'équipes en NBA que tu intéresses beaucoup. Tu as une idée un peu de ce que tu comptes faire? Je me suis pas encore décidé. Je te ferai atteindre des sommets. Non, je peux pas signer ce truc. Un papa qui sort de prison. Je veux que t'ailles jouer à Big State, mon fils. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé sortir. Des stars du basket qui occupent le terrain. Je m'appelle Jésus. Ouais. Je suis une bête. Alléluia. Il a du jeu. Et des rebondissements. Tu es en passe de prendre la plus grande décision de ta vie, Jésus. Te plante pas. He Got Game, un film de Spike Lee avec Ray Allen, Denzel Washington et Mila Jovovich, jeudi à 20h35 sur France 4. France 4, toujours là pour votre film, avec Groupama. Voilà, voilà. Quand trois femmes au caractère bien trempé emménagent ensemble, forcément ça déménage. Et pour cause, elles viennent de divorcer et forment donc le clan du même nom, le clan des divorcés. C'est la comédie qui cartonne, une comédie d'Ali Brigitte, Vardar. Brigitte. Ah bah tiens, le voilà. Excuse-moi, Charles. Excusez-moi, je cherche Brigitte. Mais je l'ai pas vue. Comment ça, c'est pas possible, Brigitte? Fabrice. Vous êtes Evangélie? Oui, vous êtes Charlotte. Oui. Mais ça ne nous dit pas où est Brigitte. T'as vu Brigitte? Mais non, toujours pas. Bon, moi, je comprends pas, je sais pas ce qu'on va faire. Une comédie où il y aura Brigitte, je vous l'assure, le 23 mai en direct du Palace. Le clan des divorcés, c'est samedi à 20h35 en direct sur France 4. Nouveau. 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 Regarde. Regarde. Nouveau. Regard. Nouveau. Regard. Nouveau regard. Nouveau regard. Bonsoir, salut, bienvenue dans Nouveau Regard, votre soirée du mardi sur France 4. Nouveau regard, nouvelle génération, nouveau point de vue. Nouveau regard, tout d'abord sur de sombres regards, celui des gothiques. Et oui, les gothiques, ces jeunes gens tout en noir, maquillés de noir, aux idées noires, etc. Voilà en tout cas pour l'image généralement retenue par les médias. Évidemment, en vrai, c'est plus compliqué. Les gothiques, qui sont-ils vraiment? Réponse dans un instant. Et parce qu'on ne se moque pas de vous, dans la foulée, on vous propose Global Résistance, avec une Daphné Eza toujours aussi craquante, toujours aussi militante, car je vous le rappelle, Global Résistance, c'est un tour du monde façon France 4 des nouvelles formes de contestation et d'activisme. Au menu ce soir, notamment les guérilleros jardiniers, ceux qui clament bien fort sous les pavés, le potager. Mais d'abord, question, c'est quoi un gothique? Eh bien, c'est avant tout l'objet de pas mal de préjugés. On le voit comme un affreux sataniste qui, au lieu de se presser comme tout le monde au supermarché aux heures de pointe, préfère rôder dans les cimetières pour y célébrer des messes noires. Ou encore comme un ado un peu rebelle, en pleine période « Mais qui suis-je, mon Dieu, en vrai, au fond de moi ?» qui trouve momentanément refuge dans un look, c'est vrai, un chouïa lugubre. Mais, comme aimait à le dire Scully et Mulder, la vérité est ailleurs. Alors un gothique, en vrai, c'est quoi? La réponse dans cette nouvelle enquête de notre reporter qu'on aime bien, Olivier de la Croix, on regarde tous ensemble Tribu Gothique. Faire un documentaire sur les gothiques, une idée plutôt séduisante à la base. Mais j'étais loin de penser que j'allais avoir autant de difficultés à pénétrer ce milieu. Car les gothiques, qu'on associe à tout ce qui touche au diable, à la mort, aux vampires errant dans les allées des cimetières ou célébrant des messes noires à la nuit tombante, eh bien ces mêmes gothiques sont les premiers à craindre le contact avec l'extérieur et plus particulièrement avec les médias. Une crainte, parfois à la limite de la paranoïa aiguë, tant l'image qui leur colle à la peau est négative.
C'est finalement mon passé d'ex-chanteur des Black Maria, groupe des années 80 ayant eu un succès d'estime auprès du mouvement gothique, qui a été la véritable porte d'entrée pour rencontrer ceux que vous allez découvrir dans ce film et rentrer dans des endroits jusqu'à maintenant impénétrables, voire même secrets. Alors, les gothiques s'habillent en noir, ils arborent un regard de mutant, des têtes de mort, des chaînes, des croix leur donnant tantôt l'allure de guerriers des temps modernes, de vampires ou de romantiques noirs d'un autre temps. En France, ils sont environ 30 000 adeptes. Marilyn Manson, Alice Cooper, Les Cure, Indochine ou Mylène Farmer, autant de noms qui vont donner au mouvement gothique une dimension populaire. L'énorme succès de la série Twilight prouve aussi l'attirance et la curiosité grandissante du grand public pour les gothiques. Nous irons à la rencontre des Rosa Crooks, groupe mythique de la scène goth et fervent défenseur du mouvement des années 80. Nous parcourrons le vieux Paris avec Stéphanie, figure emblématique du milieu. Stéphanie, c'est 30 ans dans la peau d'une goth. Enfin, avec Andy, 16 ans, c'est la nouvelle génération goth, celle des adolescents que nous rencontrerons. Alors, en quoi consiste la philosophie de ce mouvement? Quel regard porte la société sur eux? Pourquoi déclenche-t-il parfois des réactions si violentes? Doit-on s'inquiéter de voir son enfant devenir gothique? Gothique, sataniste, même combat? J'ai eu envie de comprendre et j'ai eu le privilège de partager quelques moments intenses de leur vie. Maintenant, je vous emmène. Rouen, la ville au sang clocher. J'ai rendez-vous avec le leader des Rosa Crooks, groupe phare de la scène gothique française. Il s'appelle Olivier et il a organisé une fête dans la plus pure tradition goth. Mon exploration commence maintenant. Cet endroit, totalement secret, c'est lui qui l'a créé. Il est exclusivement réservé à sa tribu. Une bande de gothiques plutôt conservateurs. Point de départ idéal pour comprendre l'essence même de ce mouvement. Comment ça va? Ça va Olivier? Hello, ouais, ça va. Ça se passe comme tu veux? Super, écoute. Tout le monde s'amuse. Ouais. Où est-ce qu'on est? Pourquoi? Comment? Ben, on est dans nos cryptes. Ouais. Une espèce de décor un peu surréaliste, complètement idéal pour ce genre de... Un peu surréaliste? De délire. Ouais. Pourquoi surréaliste, en fait? Parce que c'est l'espèce d'endroit dont tout le monde rêverait pour ce genre de soirée. Si toutes les soirées goth pouvaient avoir lieu ici plutôt que dans des nightclubs, on ferait un grand pas en avant. Ouais, parce que j'ai pas entendu, par exemple, ce soir, Marilyn Manson. Non, Marilyn Manson est une espèce de grosse production hollywoodienne qui est venue comme ça pour faire un maximum de pognon. Ouais. C'est quelqu'un qui a amené une image complètement néfaste, complètement ridicule, complètement amoindrissante. Il a donné une image très très péjorative à cette scène. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'à cause du regard des autres, il faut baisser son froc et puis arrêter de faire et de jouer ce qu'on aime? C'est-à-dire, sans vouloir être vaniteux, il y a un côté très élitiste dans cette scène gothique, ouais, avec un mépris total de ce que l'audience générale, le grand public, le monsieur tout le monde, le lambda moyen va en penser. Et puis, si c'est mal vu, c'est mal vu. Et tant pis pour les autres, c'est pas de compromis. Le compromis, c'est le début de la connerie dans tout ce qui est culturel. D'accord. On ne fait jamais de compromis dans l'art. Jamais. On en fait dans la politique, on en fait où tu veux, mais jamais, jamais dans l'art. Mais communiquer n'est pas obligatoirement être un compromis. Ben, on compte sur des journalistes attentionnés et qui n'ont pas envie, comme des hardissons ou je sais pas quoi, de venir et se moquer et ridiculiser les autres. Et si le regard extérieur est prêt et assez mûr pour s'intéresser à ce qui se passe, écoute, on n'est pas des gens fermés. Écoute, voilà, visiblement, nous sommes là pour ça ce soir. Ben voilà, et c'est pour ça qu'on vous a ouvert les portes. Bon. Tu on va danser maintenant. Matin, je retrouve Olivier chez lui avec en tête cette question. C'est quoi être goth?
En fait, c'est un mouvement qui brise le tabou. C'est ça qui importe. Et alors, les parents sont très effrayés parce qu'un gamin qui a 12, 14 ans, 16 ans, s'habille en noir, sort des têtes de mort, des machins. Alors, on prend ça pour une crise d'adolescence. Non. Alors, les tabous sont lesquels, alors, pour toi? On peut faire un résumé très rapide et dire les sept péchés capitaux. Hein, comme ça. Alors, il y a la luxure, le machin, le truc. T'as aussi la mort. Ouais. Hein. C'est ce qui nous différencie du singe ou de la fourmi. C'est qu'on a une conscience. On sait qu'on va mourir. C'est notre seul problème, en fait. Ouais. C'est un conflit énorme. Alors, l'attitude du gothique par rapport à... C'est l'acceptation. C'est l'acceptation. Voilà. C'est une façon de dire arrêtez vos hypocrisies, arrêtez votre petit monde, regardez la réalité en face, prenez conscience de vous-même, éteignez vos télés, bouquinez un peu plus, choisissez ce qu'on vous donne à avaler. C'est une réaction vis-à-vis d'une société de consommation aussi, hein, où il faut être SM, sympathique et moderne. D'accord, sympathique et moderne. Sympathique et moderne. D'accord. Sympathique, c'est-à-dire se fringuer pour les autres et pas pour soi. Mm-hmm. Et moderne, parce qu'il faut tout briller, acheter le dernier truc, la consommation directe. Voilà. Le gothique, c'est le refus de ça. Moi, j'ai une espèce de dicton, ce sont les paroles d'un groupe de Rouen, qui s'appelait les Olivenstein, qui était un groupe punk. C'était « Moi, je suis négatif en guise d'apéritif et je vous déclare la guerre en guise de dessert. » Voilà. Briser les tabous, revendiquer une certaine liberté, et enfin s'affranchir de la société moderne, et musicalement. Le point commun entre les membres de cette mouvance ne serait-il pas aussi le son? Retour à Paris, où j'ai interviewé l'incontournable Patrick Oedlin, véritable bible vivante de tout ce que le rock a vu naître. Journaliste, musicien et auteur de la préface du livre Goth, Le romantisme noir de Baudelaire à Marilyn Manson, me livre les secrets de la musique goth. Aujourd'hui, quel est l'artiste pour toi qui synthétise le mieux ce mouvement, en tout cas centralise tous les courants? Beaucoup de gothiques ne l'aiment pas parce qu'en fait, comme il a beaucoup de succès, ça les inquiète en fait. Mais quelqu'un comme Marilyn Manson, pour moi, je veux dire, bon, est indiscutablement gothique. Je veux dire, c'est quelqu'un, bon, qui boit de la chartreuse chez lui, il n'y a qu'à voir, qui, je veux dire, est fasciné par toute cette culture et tout ça. Je veux dire, bon, qui l'exprime dans ses disques, qui le fait plutôt bien, qui est quelqu'un de brillant, je veux dire, bon, sa vie, je veux dire, sa femme, sa maison, son look, tout est gothique chez lui, quoi. Ça me paraît difficile de prétendre le contraire. Et il fait ça plutôt bien, quoi. Et je crois que ce qui fait peur dans beaucoup de gothiques chez Marilyn Manson, oui, c'est ça, c'est le succès. Il est trop populaire, à la limite, donc ça les inquiète. Mais sinon, même quelqu'un en France, comme Mylène Farmer, un côté évidemment gothique. Mais d'une certaine manière, un type comme David Bowie est très gothique, je veux dire, ses grands disques et tout ça, des années 70 et tout, il y a dedans une vision, une manière de concevoir la musique, de concevoir le personnage, une conception de l'esthétique qui pour moi est très proche de ça. Donc les grands noms gothiques, c'est ça. Dans les années 80, bien sûr qu'il y a eu des gens comme Bose ou Siouxsie. Je crois que Siouxsie a une importance énorme. Mais il y avait dans les années 70... Des Cure aussi? Cure, bien évidemment. Cure. Au tout début, ils n'étaient pas gothiques du tout d'ailleurs. Genre Killing an Arab, au tout début, ils n'étaient pas du tout. Mais très vite, ils ont... était vraiment, oui, un pas important pour ça. Alors justement, tu parles de Mylène Farmer, par exemple. Comment tu reconnais l'esprit gothique à travers quelqu'un comme Mylène Farmer? C'est tout simplement, c'est un look romantique, donc avec tous les attributs de ça. Je veux dire, bon, le noir, je veux dire, les matières nobles, le velours, la soie et tout ça. C'est-à-dire que c'est dans une période qui privilégiait les baguilles, les pantacours et je ne sais pas quoi encore, les jeunes gens gothiques, par réaction et pas... avait complètement une autre culture, une autre identité qui passait par la démesure, l'esthétisme, le noir, je veux dire, tous ces symboles-là, quoi. Je veux dire, l'anti-pratique, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui s'habillent pour se vêtir ou pour se tenir chaud, mais ils s'habillent pour montrer quelque chose, pour voilà, quoi. Mais donc, avec des variantes, je veux dire, le point commun, oui, c'est ça, c'est le romantisme, quoi. C'est le romantisme. Toujours plus loin et toujours plus haut. 30 années de vie dans la peau d'une goth, un vrai roman. Stéphanie, figure emblématique du milieu et modèle goth de référence. 30 ans de Paris gothique, Stéphanie y est chez elle avec Mireille, son cousin, afficher son style comme une religion, une fierté goth. Mireille, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui t'a amené à être goth déjà? Mon mental. Ton mental? Ça veut dire quoi? Ça Il veut est dire, très noir. J'ai des idées constamment sombres. J'aime le sombre, j'aime la teinte noire, j'aime tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la mort, parce que s'il y a la vie, automatiquement, il y a la mort. Ouais. Ça ne veut pas dire obligatoirement que tu es attiré par la mort, tu as une fascination pour la mort. Non, puisque
Je l'ai tatoué, j'ai la moitié, la vie et la mort. D'accord. L'un ne fait pas l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça veut dire quoi, être attiré par la mort? On y passera tous un jour. Ouais. Mais je pense qu'après la mort, il doit y avoir autre chose. Et j'espère que ça sera bien mieux que maintenant. Comment on explique à papa et à maman que le fiston veut prendre d'un saut de cou? Combien de centimètres d'ailleurs, voyons un petit peu. 20 centimètres de semelle et là 17. Voilà la taille. D'accord. Parce qu'à la base, tu mesures combien? 1m82. 1,86. Moi, je suis obligée de mettre les doubles pour avoir la même taille que lui. D'accord. Et pourquoi cette envie de se surélever? On domine le monde. Ah, c'est ça. On voit tout arriver, et le que poids, ce soit de non, loin. J'aime bien le poids aussi. Oui, le poids, ça fait les gens. Le poids? Un kilo et demi. Moi, un kilo et demi à chaque... Très lourdes, d'accord. Et donc, on marche. Une envie de dominer le monde. Bah, c'est-à-dire qu'on s'est tellement agressé, il vaut mieux savoir ce qui va nous arriver dans la tronche avant. Et que ça arrive on de le loin. Voit de loin. Alors, le bonheur... Parle-moi de ce bonheur d'être goth. C'est pas la liberté d'être soi-même. La liberté d'être soi-même, de penser. De pas être dans une cage. T'as déjà vu un goth faire un tag sur un monument? Non. Non, respecte. Et c'est nous qui sommes diabolisés. Alors c'est nous qui sommes diabolisés. Pourquoi? Parce qu'on s'habille comme ça. Et ça dérange. Moi, je trouve pas ça normal. Bon, et alors, combien de temps, goth encore? Jusqu'à la fin de la fin? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin? Et même après. Et même après. Justement, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous êtes croyant? Non. Oui, mais pas dans la même chose que les gens. Voilà. On a nos croyances. On a une croyance. C'est quoi votre croyance? Il y a quelque chose. Mais quoi? Pas de bon, pas de mauvais. Mais il a pris la mort, voilà. Ça, j'en suis sûr et certain. J'espère qu'elle sera bien meilleure la suivante, j'espère. Bon, alors... Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 3 jours. Bah, c'est ciao. Je vais dire ça, salut Oli. Ciao. Bye. Bruxelles. À 16 ans, Andy fait partie de cette nouvelle génération de goths assez éloignés des codes originels du mouvement. Andy vit sa passion à 200% et ne pense plus qu'à deux choses. Sa garde-robe et à la prochaine soirée qu'il passera avec ses potes. Alors, comment ça t'est venu, toi? Raconte-moi, depuis combien de temps t'es gothique? Ça a commencé assez tôt. C'est en allant surtout en soirée pour moi, c'est surtout en voyant les fringues de certains, je me disais, ah là là, ils sont beaux et tout, ils ont vraiment des fringues magnifiques, j'aimerais être comme eux, et voilà quoi. Maintenant, j'essaie plus d'être comme eux, mais j'essaie de créer mon propre style bien à moi. Pourquoi pas avoir été rappeur, je sais pas moi, rocker Est-ce que t'as voulu te démarquer ou alors c'est vraiment un choix bien réfléchi Non, c'est un choix. Moi, je le suis devenu naturellement. Voilà, j'aurais pas voulu être rappeur ou bien dans un autre style parce que dans un autre style, je me sens mal. Je suis même sans être gothique, j'étais pas forcément bien accepté ni rien. Mouvement gothique, franchement, il y a beaucoup de tolérance et on est beaucoup mieux. On rencontre des gens qui sont bien dans leurs bottes et... Bien souvent, chez les gothiques, on est moins détraqués que dans les autres styles. Tes parents, vos parents, ils pensent quoi de... Ben, moi, ils sont de très ouverts. De votre culture. Ils sont très ouverts, ils acceptent tout. Et ma mère, bon, elle aime bien partager mes goûts musicaux et tout ça, même les vêtements et tout. Donc, il y a une très bonne entente et ils voient bien qu'il n'y a pas de point négatif chez nous, quoi, et tout. Donc, ça se passe vraiment bien, ils acceptent beaucoup. Même si au début, je comprends bien que ça n'a pas forcément été facile non plus pour eux. Ils ont eu peur au début? Ils ont eu peur? Au début, en fait, ils ont eu peur parce que ils ont pensé en fait que je me reliais à un groupe sectaire. Je les fais rentrer dans une soirée gothique, ma mère et tout ça. Et ça s'est très bien passé. Elle a rencontré tous mes amis et tout ça. Et même les plus âgés, quoi, et tout ça, qui sont dans la cinquantaine. Elle a vu que c'était des gens stables et très bien, quoi. D'ailleurs, maintenant, elle est très amie avec certains, donc voilà, quoi. Même si le mouvement goth est avant tout musical, c'est aussi par la mode qu'il s'exprime. Alors si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez rien aux différents styles goth, je vous propose un rapide défilé des 4 tendances majeures. Bienvenue chez Darkland, le temple de la mode goth à Paris. D'abord, les néo-romantiques. C'est celui et celle qui porte de la dentelle, des décolletés généreux, du satin, du velours, des jabots, du frou-frou, des lacets.
Il va à des pique-niques dans les jardins à la française. Son livre préféré, Les fleurs du mal de Baudelaire. Sa chanson, Clair de lune de Debussy. Son film, Nosferatu de Murnau. Le goth rock, c'est la résille, le mini-short et le bruit du zip mêlé au craquement de cuir. J'aime bien ça, moi. Des crochets, des lanières, des piercings partout. Le gothique rock a sa chambre tapissée de posters de Robert Smith et aime le look androgyne de Placebo. Ensuite, c'est le post-punk. C'est le revival du No Future londonien. Les Sex Pistols viennent de sortir leur nouvel album. Et on aime le côté sombre de Vivienne Westwood. On met des collants serrés, très serrés. On a du gel plein les cheveux et du noir plein les yeux. Et pour finir, c'est 2020, c'est la science-fiction et c'est le look cyber. Des tuyaux, encore et toujours des tuyaux pour manger, pour se coiffer ou pour danser sur de l'électro et de la musique industrielle. Du fluo partout et une collection de DVD hallucinante sur laquelle trône Metropolis de Fritz Lang et Blade Runner de Ridley Scott. Voilà pour le tour d'horizon des quatre courants majeurs de la mode goth. Le goth moderne a tendance à mélanger tous ses styles, à l'image de Stéphanie qui a vu toute l'évolution des 30 dernières années de look gothique. Pour elle, c'est une manière assumée de se jouer des époques et du temps qui passe. À l'origine, ça c'est du cyber goth. C'est des cyber goth, les pompes, voilà, les floss. Ouais. Les machins à poil. Ouais. Si je les enlève, ça c'est plutôt, on va dire, industriel. Tout ce qui est matière vinyle ou des choses comme ça, c'est industriel. Ça, ouais. Mais moi, je mélange de tout. D'accord. J'ai pas un style. Je peux mélanger d'une chemise à jabot en coton avec du vinyle. Ouais. Ou du velours avec du vinyle. J'ai toujours du vinyle. Niveau vêtements, tu vois, je mets des plaques électroniques sur mes chaussures. Tu vois, je mets là. Des vis. Ouais. Je customise, je mets des tuyaux à l'intérieur. Je peux mettre des lumières pour aller en soirée ou des trucs comme ça. Là, quoi. On peut dire aussi que ça, c'est néo-romantique aussi. Voilà, les manchons. Ouais. Ouais, je les ai brûlés. Ouais. Ouais, j'ai ma conne. J'en mets mes chiots. Allez, les toutous, on se calme. Les gants. Bah, les gants, ça fait un peu rock. Punk. Punk rock. Ouais. Vinyle, on peut penser que ça fait SM, mais bon, bah voilà, quoi. Certaille, c'est ce qu'il y a de plus classe. Les femmes en ont tellement porté pendant des années à en souffrir. Ouais. Parce que je veux dire, celui qui veut essayer de me violer comme ça, il en a pour un mois. Hein. Ah ouais, je suis harnachée. Hein. Il y a tout enlevé, c'est pas la peine. Tout le monde prend des photos, hein. Même les lentilles. Je sors jamais sans mes lentilles. Ouais, ces lentilles-là, ça va, c'est facile à porter, ça. Non, mais moi, je les ai tout le temps, depuis 6h ce matin, je les ai. Depuis 6h ce matin, et je vais les garder jusqu'au soir, je montre pas mes yeux. Tu sais, il y a tellement de souffrance dans le monde, je me mets une barrière sur les yeux. J'adore. Moi aussi, je m'adore. Allez, on continue à se balader. Ceci dit, on a quand même des yeux magnifiques dessous. Des magnifiques dessous. Non, des magnifiques yeux. Des yeux magnifiques. Ah, des yeux magnifiques. Ah oui, non, mais des magnifiques dessous, on en a aussi. Heureusement. Mais ce qui est incontournable pour les goths, ce sont les new rock. C'est pour elle que tout le monde vient voir Cara, la spécialiste de ces semelles compensées vertigineuses. Combien de centimètres ? 9. J'ai 9 ou 13. Là, pour D'accord. le moment, j'ai la 9 cm, mais je peux avoir de la 13 cm plus tard. D'accord. Et Cara sait exactement quel new rock fera le bon look. Justement, ce look, c'est vrai qu'il passe pas inaperçu quand on a des chaussures comme celle-là. Ouais. Est-ce que ça a marqué, ça a marqué, ça c'est ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tout gothique, tout jeune gothique de 15 ans. C'est très chargé, très ostentatoire, on va dire. On le remarque. Ouais. Mais en fait, pour certains, c'est leur début, donc ils ont. Certains, ils en font un petit peu trop, je leur dis à chaque fois. Mais c'est le rêve de tous. Donc, bien sûr, quand un gamin arrive avec sa maman pour se faire offrir sa première paire de New Rock et qu'il lui présente ça... Pas fastoche. Je lui dis, non, mollo. Hein, on va commencer par quelque chose de plus soft. Celle-là, tu la mets avec des chaussures, enfin, avec un pantalon. Et c'est quand même assez discret, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà. Ça coûte à peu près 200-300 euros pour une paire 200 de... 200 à 300 euros ouais. pour une paire de chaussures. En fait, le prix ira en fonction du travail qu'il y aura sur la chaussure. C'est quoi la clientèle goth aujourd'hui? Alors, c'est des jeunes, c'est les plus jeunes. J'en ai eu des tout petits. Ouais. Ils suivent les parents, en fait. Ils suivent les parents. Ouais. J'en ai des... Mon 10 ans.
Disons le plus jeune, mais bon, c'est... Mais il vient tout seul, ici ? Avec ses parents. Il vient avec ses parents. Il vient avec ses parents, il achète un t-shirt, un sweat, un petit bracelet, ouais. Avec des petits clous, mais il est heureux avec ça. D'accord. J'en ai d'autres qui ont majoritairement entre 15 et 17 ans. Ouais. Donc moi, je suis là, à chaque fois, je suis là pour faire le tampon entre le jeune et le parent. Mm-hmm. La maman qui n'accepte pas que son enfant soit goth, parce que malheureusement, il y a des mauvais clichés qui ont été véhiculés par les médias. Mm-hmm. Et lui dire, madame, vous voyez, on peut être gothique et réussir dans la vie. Mm-hmm. Et là, je viens à la troisième catégorie, des gens qui sont bien installés, des ingénieurs, ouais. Des consultants, des infirmiers, des médecins. J'ai ouais. Vraiment tout le monde dans ma boutique. Mm-hmm. Une femme de 34 ans, qui est gothique depuis 22 ans, est-ce qu'elle a essayé d'autres métiers ? Est-ce qu'elle a eu d'autres métiers ? Je travaillais pour des ministères. T'as travaillé pour des ministères ? De la Défense, ouais. De l'Intérieur. Ouais. J'ai travaillé dans la restauration, mm-hmm. Dans l'hôtellerie. Dans les banques ? Dans les banques. Ouais. Voilà. Tu t'habillais comme ça ? Malheureusement, non, tu peux pas. Dans notre société, les gens sont... Et puis, de toute façon, il y a des métiers où tu dois le porter en uniforme. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui est gothique, dans la vie de tous les jours, il peut pas être policier ? Si, justement. T'en connais ? Oui. Ouais ? Ouais, ouais. Je connais des policiers, je connais des infirmières, je connais des pompiers, je connais tout le monde. D'accord. Une apparence, un look pour lesquels on est prêt à dépenser sans compter. Ce samedi, c'est justement la journée shopping pour Andy et sa copine. Et c'est devant la vitrine d'un magasin goth que je les retrouve. C'est à l'arrêt, là. Ouais, c'est sûr. Coup de cœur sur des plateformes. Sûrement mon futur achat. Ça coûte combien, ça, à peu près ? 350 à 400 euros, même beaucoup plus haut parce qu'il existe aussi des plateformes 50, 60 cm. Combien de temps tu travailles pour te payer une paire de pompes comme ça ? Ici, j'ai travaillé pendant 3 semaines complètes et bon, ça m'a payé quelques fringues, mais voilà quoi. Pour des pompes comme ça, un mois de travail quoi, largement, en faisant des petits boulots, tout ça. Quoi. D'accord. Donc voilà. Et c'est plutôt les noirs ou les petites à paillettes ? Plutôt les noirs, mais celle à paillettes, j'aime beaucoup. C'est assez coloré tout ça et c'est flash, donc pourquoi pas. Et quand ils sont à Bruxelles, Andy et sa copine font toujours un détour par le Hard Rock Market, the place to be des accessoires goth. C'est une boutique qui existe depuis assez longtemps et c'est fort connu ici à Bruxelles pour tout ce qui est bijoux et tout ça. Une vieille boutique où l'on trouve tout pour agrémenter ses tenues plutôt rock'n'roll. Et l'occasion pour moi d'avoir une discussion éclairée avec Annick, la maîtresse des lieux, sur ses clients un peu particuliers. Je les côtoie régulièrement, c'est des jeunes gens hyper bien élevés, hyper polis, hyper gentils, qui sont toujours à la recherche d'apprendre quelque chose, d'évoluer. Pouvoir s'habiller comme ça, c'est quand même être libre. Et les gens sont dans un système social tout à fait coincé, avec des interdits de liberté dans leur propre vie. Donc, ils reprochent aux autres ce qu'eux aimeraient peut-être faire. Vous avez des parents qui franchissent le pas de votre porte pour venir un peu vous poser des questions. Est-ce que vous avez à répondre à certaines inquiétudes ? Quand il arrive que j'ai des parents qui me posent des questions, moi je leur dis qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir des enfants gothiques parce qu'ils ne se droguent pas, ils ne sont pas violents, ils ne sont pas délinquants, ils font une recherche spirituelle, une recherche intellectuelle, c'est génial. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment génial. On est beaucoup, c'est ce qu'on peut rêver d'avoir comme enfant. Le style goth, toujours décrié, éveille aujourd'hui l'attention des créateurs de mode les plus branchés. François Darmini, photographe de star, ne s'y est pas trompé. Son expo, consacrée au goth, met en lumière toute la particularité esthétique de ce mouvement. Avançant en terre inconnue, il a pourtant découvert un univers qui l'a immédiatement fasciné. Quelle image vous aviez des gothiques avant de les connaître, avant de les photographier ? Des gens qui s'habillent différemment. Ouais. Uniquement ça. Vous avez rencontré des gens gays plutôt ? Des gens, J'ai rencontré des gens qui peuvent au départ, dans l'apparence comme ça, de se donner une image un peu austère, un peu réservé, ouais. Avec une certaine mélancolie. Mm-hmm. Mais je pense qu'on est comme tous les autres, tous les êtres humains. On a chacun un masque et le masque il tombe à un moment et il se passe quelque chose de naturel. C'est qu'ils sont comme nous, il n'y a pas de différence, quoi. En fin de compte,
L'idée était de montrer aux autres un autre regard qu'on peut avoir sur les gothiques. C'est-à-dire que pas un regard péjoratif, bien évidemment, parce que je suis toujours assez positif dans ce que je fais photographiquement, et je voulais avoir ce regard-là. Et je pense que petit à petit, ils le comprennent maintenant. Mm-hmm. Et je trouve ça génial de pouvoir... Ça a l'air de beaucoup plaire à votre fille, cette exposition. Oui, tout à fait. Tara paraît tantôt... Justement, je vais vous demander un truc qui est peut-être embarrassant pour vous, mais en même temps, j'ai très envie de vous le demander. Dites-moi, quelle est celle que vous préférez? Moi, j'aime beaucoup la photo de Stéphanie. Oui. Parce que c'est ce que j'imaginais comme image sur les gothiques. J'ai peut-être envie de mettre cette photo chez moi. Et ces yeux-là, ça ne vous dirait pas quelque chose? Comment est-ce que tu te trouves quand tu te regardes? Quel rapport tu as à toi? Comment elle m'a rendue? Ouais. Je suis émue. Très émue. T'es belle, hein? Ouais. Ouais? Franchement, je me trouve magnifique. Tu l'es? Ouais, mais c'est de se voir comme ça, de savoir, là que je viens d'apprendre, que ça va faire pratiquement le tour du monde. Ça va faire le tour du monde. Ah bah moi, c'est... Heureusement que j'ai pas un pacemaker, hein. Mm-hmm. Ah, parce que je claque sur place, là. Non, c'est... C'est vraiment un grand hommage qu'il nous fait, un grand honneur, surtout un grand honneur, oui. D'être une fois dans notre vie accepté tel qu'on est, mm-hmm. et de voir qu'on va nous voir et qu'on est en fait des gens normaux, qu'on n'est pas des malades mentaux. Est-ce que François n'a pas immortalisé Stéphanie? J'ai acquis la vie éternelle. T'as acquis la vie éternelle? Quelque part, oui. Quelque part. Ça restera toujours gravé, j'espère que dans 20 ans, mes nièces, mes neveux, j'espère qu'ils seront fiers de moi. D'accord. Et je pense à ma mère maintenant, quand elle est décédée, que j'étais jeune. Je crois qu'elle peut être fière de moi. C'est vrai qu'on sent là le regard d'un photographe qui a parfaitement perçu l'intérieur avant de sublimer l'extérieur. À bientôt, Stéphanie. À bientôt. Et prends soin de toi. Pas de problème, Olivier. Ciao. Ciao. Retour à tourner en Belgique, chez Andy. Ses parents ont eu la gentillesse de m'inviter à déjeuner. Alors avoir un ado goth à la maison, facile ou pas? Comment ça va? Ça va très bien, oui. C'est très très bon, Gabi. Merci. Ça, c'est le plat traditionnel un peu, hein. De toute façon, hein. Mais le samedi, on fait jamais rien grand chose. Donc... Non. Quand ça a commencé, enfin, les jupes et tout ça, ça vous a pas inquiété plus que ça? Mais bon, j'ai posé quelques questions à Andy pour moi savoir, mais bon, c'est bon après, c'est tout. Bon, ça plaît à sa copine, donc c'est le principal. Hein. Mais c'est vrai que la mini-jupe, c'est aussi quelque chose de... Enfin, on franchit un palier. On franchit un palier. Est-ce qu'ils le voient en mini-jupe, les grands-parents? Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, mon grand-père, ce qui me lâche souvent quand je reviens de Bruxelles en mini-jupe, c'est « Ah, les policiers ne t'ont pas embarqué aujourd'hui. » Donc, toujours en rigolant, mais bon, autrement... Ce qui n'est pas trop méchant. La grand-mère est fort ouverte. La grand-mère est fort ouverte. J'ai l'impression qu'en Belgique, on est... fort ouvert, hein, par rapport à la France. C'est, c'est pas tout le monde. Hein. Et la villa est bien admise, tout le monde, dès le début. Bon, vous avez votre style. Ça, c'est votre style. Mais il faut savoir que vous aimez votre style, mais il y a pas mal de critiques. Il y a, vis-à-vis un bonjour de l'emploi, il pourrait y avoir un gros problème. Je suis fort pointilleux pour essayer de te faire avoir un diplôme. Pourquoi? Parce que si tu as un diplôme, tu peux avoir un boulot mieux rémunéré. Plus facile physiquement. Physiquement. Je t'ai dit que ce que je voulais faire, c'était ma gestion et essayer d'ouvrir un commerce underground sur la ville de Tournai. Mais bon, voilà, j'ai pas envie d'être ouvrier, moi. Que nous, tu sois gothique ou tu sois de n'importe quel mouvement, de n'importe quelle secte, on t'accepte. Mais nous, on veut que tu aies un avenir, des bases solides. Tu te rends pas compte à quel point les parents, il y en a beaucoup encore qui rejettent leurs enfants parce qu'ils sont gothiques et tout. Edouard. Ouais. Vu que ce que sa maman dit, ça fait mal au cœur. Tu sais, par contre... Qu'est-ce qu'elle dit, la maman d'Edouard? Genre, la dernière fois, j'ai montré une photo de Andy avec Telox comme t'étais hier. Et ma mère, elle a dit tout simplement « Pourquoi je traîne avec des gens comme ça, c'est horrible. Mm-hmm. » En gros, c'était ça. Mm-hmm. Donc voilà, donc d'un côté, c'est... déjà, un, elle me refuse moi, mon look, et deux, elle refuse mes amis. Donc je me sens vraiment mis à l'écart. C'est pour ça que je suis beaucoup mieux avec mes amis. En l'occurrence, j'ai
que Andy, on va dire, vraiment en bon ami. C'est pour ça que je dis qu'Andy, il a de la chance d'avoir des parents comme Joël et Gabi, parce que moi, j'ai pas ce genre de parents. Mm-hmm. Et c'est vraiment pas évident à vivre. Le point principal, c'est quand même que vous acceptiez Andy, sa fiancée, ses amis comme ils sont, avec toute la confiance que vous leur portez. C'est surtout ça, moi, qui me... Avec leurs défauts et leurs qualités. Avec leurs défauts et leurs qualités. Mais toute la... Parce que vous les avez écoutés. C'est voilà. La base de tout, je crois. C'est la base, en tout cas, c'est ce que je retiens. C'est le dialogue. Et tu comprends que c'est bien, ça, qu'il essaye de comprendre, quand même c'est que c'est un effort. Ouais, c'est super bien, quoi. C'est un grand pas vers l'avant. Quoi. Mais vous, ado, vous devez faire aussi cette démarche-là. Ça va dans les deux sens, hein. Pour l'instant, même si Andy a quitté l'école et trouvé refuge dans sa passion gothique, ses parents sont plutôt cool et tolérants. Le soir même, c'est eux qui emmèneront Andy et ses amis à Mons pour le concert de Tantrum, groupe montant de la scène goth française. Les parents d'adolescents gothiques ne sont pas tous comme ceux d'Andy, et certains redoutent les dérives sectaires, voire sataniques, qu'entraîne ce milieu. Alors qu'en est-il de cet amalgame ? En France, la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, pointe du doigt les 3% de satanistes qui sont passés par la mouvance gothique. Quel est votre avis sur le mouvement gothique ? En fait, le gothisme, c'est une forme de romantisme noir qui touche surtout les adolescents et en quête de personnalité. Et la mission interministérielle que je préside ne dira pas, parce que ça n'est pas une réalité, que le mouvement gothique est un mouvement à caractère sectaire. Mais pour autant, nous observons quand même que 80% à peu près de phénomènes sataniques, de jeunes qui versent dans cette dérive sectaire, cette fois, ont commencé par le gothisme, par être des adeptes du gothisme, de la culture gothique. Donc la culture gothique n'est pas une dérive sectaire en soi, elle n'amène pas nécessairement à une dérive sectaire, mais on peut dire qu'elle est une espèce de portail, de clé, d'ouverture sur ce qui est beaucoup plus grave, c'est-à-dire le satanisme. On n'est pas obligatoirement satanique quand on est gothique et vice-versa. Tout à fait. Mais c'est quand même une réelle préoccupation. Imaginez un jeune qui n'a pas un esprit encore suffisamment mûr, formé, pour avoir le recul nécessaire quand il entend, par exemple, il participe à des concerts de Marilyn Manson, s'il prend au premier degré les paroles de ces concerts... on peut avoir des craintes. Et notre rôle à nous, c'est de dire aux parents, aux familles, si vous constatez que votre enfant est de plus en plus solitaire, si vous constatez un changement dans sa tenue vestimentaire, si vous constatez qu'il disparaît le soir, qu'il fréquente certains établissements, prudence, prudence. Ça ne veut pas dire que votre enfant va tomber dans une secte, mais nous savons que c'est une clé pour entrer dans des mouvements beaucoup plus durs, beaucoup plus radicaux, qui peuvent aboutir à quoi ? À des délits, comme les profanations de sépultures, de cimetières, qui peut aboutir à des suicides, il y a des adolescents qui se suicident, et qui peut aboutir, dans les cas les plus extrêmes, aussi à des crimes, à des sacrifices. Malgré tout, l'image qui leur colle à la peau au quotidien est souvent contestée. Je vais vite m'en rendre compte. En me baladant avec Stéphanie et Mireille en plein centre de Paris, vers Notre-Dame, la balade tourne carrément à l'agression. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y, touche-moi, franchement, tu vas avoir de gros problèmes. Tu as baisé qui ? Ouais. Comment ça me plaît ? Nous avons été obligés d'interrompre notre tournage. La police s'en est même mêlée pour éloigner nos agresseurs. Quel type d'agression vous subissez quand vous êtes dans la rue ? Beaucoup verbal. Et quand c'est physique, ça fait vraiment très mal. Ouais. Moi, je me suis vu me faire attaquer par 10 personnes, me défendre. Mmh. C'est la police qui m'a massacrée.
Parce qu'à minuit, des gamins mineurs, ils avaient quoi, 16-17 ans, ils étaient dehors à minuit, je me demande déjà ce qu'ils foutent dehors. Ouais. Ils m'agressent, je me défends. Juste en attrapant la jeune fille, la police m'est arrivée dessus, ils m'ont explosé. Ah ouais. J'ai eu un bras comme ça, on m'a dit porte plainte, je fais non. On fait le tour un petit peu. Ouais. On a eu tout. À la limite même dangereuse. Oui. À la limite au couteau, du meurtre. Oui. À la limite du meurtre. Au couteau, oui. T'as été agressée au couteau, Mireille. Bien sûr. Elle a une cicatrice comme ça sur la hanche. Moi, la canette de bière et la barre de fer. J'ai eu un coup de couteau dans le dos, balle de revolver dans les fesses. Moi, comme maintenant, ça, je veux quitter la France. Tu veux quitter la France? Ouais, j'en peux plus, moi, d'ici. Ah ouais? Je peux pas vivre comme je veux. Ouais, parce qu'en fait, quoi, c'est... On est très malheureux ici. Ouais, on vous est êtes malheureux. Très. Moi, je sais que si lui, il est pas là, je ne sors pas de chez moi. Quitter la France parce qu'on est goth? Ne pas être tranquille quand on se balade dans la rue, vous, je ne sais pas, mais moi, ça passe carrément moyen. Mais le voyage me réserve d'autres sensations. De l'incroyable, du surréaliste et du mystérieux aussi. J'avais entendu parler des vampires du mouvement gothique. Réalité ou fiction? Je n'en avais pas la moindre idée. La seule chose que je savais, c'est que pour ressembler à Dracula, certains goths allaient jusqu'à se faire poser de vrais crocs sur mesure. Pour 100 euros minimum la paire, Fazer Sebastian, un prothésiste dentaire américain, spécialiste des effets spéciaux au savoir-faire unique en Europe, vous transforme en véritable vampire. Une fois par mois, Fazer fait une halte dans la boutique de Cara où ses crocs en résine font un véritable malheur. Ça va? Alors? C'est super. Ça te fait quoi d'avoir des jolies dents de vampire? Ça change tout. Mais ça change tout quoi? Ça change quoi? Explique-moi. Bah, explique-moi, il n'y a rien à expliquer. J'avais des dents normales, je me retrouve transformée en vampire. Ouais. Donc voilà, c'est une expérience à tenter, je pense. Ouais. Ouais. Bien sûr, on peut les retirer, donc c'est ça l'intérêt quoi. Tu vas plus sourire, tu crois que ça impressionne plus les gens? C'est vrai que quand tu souris, regarde, quand tu te marres, c'est plus la même Cara que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Non, non, ça va. Je pense que ça va pas spécialement choquer les gens. Ça va les surprendre. Ouais. Ça va les surprendre. Et tu le fais pour quoi? Pour toi? Pour moi. Pour en avoir une paire, pour le côté théâtral. Et quand tu te regardes dans la glace et que tu ressembles à une vampire, ça te fait de l'effet aussi? Non, pas spécialement. Non? Je suis toujours moi-même quand même. D'accord. Mais là, je suis un autre moi. Une démarche purement esthétique pour certains, alors que pour d'autres, la pose de ses crocs s'accompagne d'une véritable philosophie. C'est le cas d'un certain Vlord Gore, dont un soir on m'avait chuchoté le nom comme si l'on me révélait un secret presque sacré. Après recherche et insistance, Vlord accepte de me rencontrer. C'est bien sûr le soir, dans un endroit de son choix. J'aime bien l'idée, j'aime le secret. Et c'est la première fois que je vais rencontrer un vrai vampire. Même pas peur. Vlord. Olivier. Salut. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Les médias, salut. Bon, ça a été assez dur de vous rencontrer. D'abord, pourquoi ça a été dur, cette rencontre? C'est dur parce que on est plus, on va dire, un cercle un peu plus fermé. Alors, vous êtes tous les deux des vampires. Oui. Mais est-ce que ça veut dire, en fait, vampire, je crois que vous avez tous les deux... Les crocs. Les crocs. Les crocs, ouais. De très jolis crocs. Et ces crocs, est-ce qu'ils vous servent à quelque chose? Est-ce que vous avez des pratiques particulières dans votre vie de vampire? Des pratiques particulières, après tout dépend du vampire. Il y a plusieurs, enfin il y a deux catégories on va dire de vampires, le vampire sanguin et le vampire psychique. Le vampire sanguin, comme son nom l'indique, va plus être attiré par le sang. Le sang est transporteur de force et de faiblesse. Donc c'est un échange qu'on fait dans le respect de l'une et de l'autre personne, peu importe le sexe. Tandis que le vampire psychique, ça va être sur le charisme. Sur l'image qu'on va véhiculer, sur la parole, la manière de parler et tout. Alors, dans l'échange de sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mordez votre conjoint ou... Quand tu as cet échange, que ce soit par le biais de la morsure ou juste par le contact sanguin, tu véhicules vers l'autre personne un don de toi-même. Vous avez conscience que vous pouvez... Ce sont des pratiques qui peuvent effrayer les gens, quand même. Ah oui, c'est sûr. D'échanger son sang, soit, si j'ai bien compris, en se coupant et en échangeant de cette manière, veine contre veine, ou carrément
de mordre dans le cou et de sucer le sang de l'autre. C'est quelque chose qui peut choquer. Enfin, ce ne sont pas des pratiques courantes. C'est sûr. Est-ce que ça fait mal ? Il n'y a pas forcément de douleur puisque c'est fait par moment de plaisir. Ouais, je pense que c'est parce que nous, on prend plaisir, on oublie en fait là, ce qui peut être douleur. Voilà, ça peut être comme un plaisir, comme prendre une bonne tasse de café ou fumer une cigarette. C'est un plaisir comme un autre, certes différent, parce qu'il est, peu connu. Les gens ont peur de ça, oui, c'est du sang, c'est violent, ils se coupent. Mais bon. Est-ce que les vampires, comme vous, vont dans les cimetières ? Est-ce que vous aimez aller dans les cimetières ? Ou est-ce que c'est encore dans le mythe et dans les légendes qui collent à la peau des gothiques en général et des vampires plus précisément ? Bah, le problème, c'est que les gens pensent qu'on va dans les cimetières, on y dort, c'est un peu notre maison. En fait, pour certains, peut-être. Mais pour ma part, en tout cas, c'est, encore une fois, c'est calme, on sent bien. Moi, je me sens bien dans un cimetière. C'est surtout ça. Alors, je crois que ce soir, il y a une soirée. Ouais. Au club, oui. Au club Vampire. Mm-hmm. Et je crois que vous allez nous y emmener. Oui, on va vous y emmener. Tout à fait. On y va. On y va. Vlande me propose donc de l'accompagner dans une soirée goth qui devrait réunir quelques autres vampires. Une soirée goth où, si vous n'êtes pas membre, il est carrément impossible de rentrer. Et moi, comme vous pouvez le voir, je suis super bien accompagné. Mais à défaut d'une fête gothique à tendance vampire, quelques fétichistes, sadomaso ou autres échangistes se sont mêlés à la fête. Et sur fond de techno-rock, tout ce petit monde se trémousse. Là, je ne vois plus très bien ce qui est goth. Et je me dis que c'est sûrement ce mélange des genres et ce type de soirée qui contribue à brouiller l'image du mouvement et entretient cette fameuse image malsaine qui lui colle à la peau. Dommage. Le lendemain, retour à Rouen chez les Rosa Crux, qui répètent dur. À cette occasion, j'essaie d'en savoir un peu plus sur l'ambiguïté qu'ils entretiennent autour du diable et sur cette tendance satanique qui infiltre le mouvement. À jouer avec des noms de démons, tout ça peut prêter à confusion. Jamais. Vous refaites les voyelles de nouveau. Alors là, on est dans l'antre de Rosa Crux, dans le studio de répétition. Ces cloches, je vois des têtes de mort dessus. Je vois qu'elles ont des noms. Est-ce que les noms ont un sens, une particularité ? En général, il y a une tradition très, très importante sur les cloches. Il y a toujours, elles sont baptisées, elles ont un nom. C'est Sainte-Jeanne, la cloche Saint-Pierre. Elles ont toujours un nom de saint. Et donc, nous, on s'est amusés, par provocation, à faire des cloches qui contiennent directement des noms de démons. Celle-ci s'appelle Behemoth, celle-là Astaroth. Ce sont des démons de la... des vieux enfers de Dante et de compagnie, Clistéret, et il y a marqué, comme sur les cloches, Rosa Crux me funde debat, en latin, Rosa Crux m'a fondu, année 2001, je sonne le la, je sonne le la dièse, etc. Et un pamphlet, là on lit, Toni Trui fili sunt appellati, qui veut dire, on les appelle les fils du tonnerre. Est-ce que, en créant des morceaux comme ceux-là, est-ce que tu comprends qu'on puisse... penser que goth, tout de suite, égale chemin menant dans les profondeurs, menant vers Satan, menant vers la mort, venant vers... Enfin, non, mais tu... Alors Satan, faut que les gens arrêtent, parce que plus personne va à l'église, plus personne ne croit au bon Dieu, mais alors on croit encore au diable, hein, on sait jamais, c'est un petit peu le... Donc Satan n'existe pas plus que le Père Noël. Ouais. La peur n'est pas quelque chose à éviter. La peur, c'est un sentiment extrêmement intéressant.
intéressant. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens allument la télé, vont au cinéma. C'est pour retrouver un petit peu d'angoisse, de sensation. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens vont se jeter dans des grands vides. C'est pour avoir deux, trois petites frayeurs. Et c'est un petit peu le rôle, je crois, d'un artiste, qu'il soit peintre, sculpteur, photographe, ou c'est de faire passer une émotion différente de la banalité, de la médiocrité quotidienne. Jouer avec quelque chose qui fait peur, en tout cas des sentiments qui peuvent créer des sensations, c'est donner en premier lieu aux gens à réfléchir sur les choses que vous véhiculez. Maintenant, nous, on n'a pas l'impression de faire peur avec des titres comme ça. On a l'impression de parler concrètement d'une certaine ambiance, d'une certaine couleur. Mais peut-être parce que vous baignez dedans depuis des années. Mais pour la personne qui vient pour la première fois et qui rentre et qui entend la chorale, qui voit les cloches, enfin qui entend votre musique, elle peut, tu vois, si elle n'a pas ce type d'explication, elle peut être amenée à penser autre chose. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est trop de Starac à la télé, mais c'est pas de notre faute, ça, en fait. Ouais. C'est un long débat. Chant en latin, tambour sans présence humaine, ambiance noire, mais chez Rosa Crux, je vous l'assure, pas la moindre trace de satanisme. Quelques semaines plus tard, je me retrouve à Grenoble, où va avoir lieu la Nuit des Ombres, un festival gothique exceptionnel qui se déroule dans la citadelle de la Bastille, juchée sur les hauteurs de la ville depuis déjà deux siècles. Rosa Crux en est la tête d'affiche. Un événement goth doit sa réussite avant tout à l'endroit où il se déroule. Et ce soir, cette citadelle que la nuit enveloppe semble tenir toutes ses promesses. La soirée a attiré une foule nombreuse, plus de 500 personnes et étonnamment, pas que des gothiques. Objectif réussi pour les organisateurs. J'ai le sentiment que le spectacle auquel je vais avoir le privilège d'assister va être grandiose. Rosa Crux sur scène, c'est un moment unique. Là, entre ces murs vieux de plusieurs siècles, leur musique prend toute sa dimension. La danse de la terre est le point culminant du concert. Un rite offert à un public transi. Une danse symbolique qui représente l'homme se jouant de la mort et jouant avec la terre. L'élément d'où il vient et où il retournera. Pour l'instant, devant les spectateurs ébahis, ces deux jeunes femmes défient la mort. Un lien fort s'est finalement créé entre nous. Quelques semaines plus tard, Olivier me propose de m'emmener au lac des 10 échos, un lieu qu'il veut précieusement garder secret. Il s'agit d'un lac qui se trouve à plusieurs mètres sous terre. Il m'explique que le groupe y teste ses nouveaux chants. La réverbe naturelle y est exceptionnelle, d'une durée de 10 secondes.
La spéléologie, ce n'est pas vraiment mon truc, mais à vrai dire, je suis un peu tombé amoureux de la musique des Rosa Crooks. J'accepte donc ce voyage dans les entrailles de la terre des Rosa. Voilà, donc ça y est. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé au lac, sur la petite plateforme où on va faire le chant. Bon, on allume les bougies pour économiser les piles. Ouais. C'est bon, on a pu. C'est une des hautes. Ah, des hautes. Et personne ne connaît cet endroit, en fait, Olivier. Bah, les spéléos le connaissent. C'est eux qui l'ont baptisé comme ça, hein, quand même. Mais sinon, non, c'est une entrée, une petite expédition qui est assez confidentielle. Est-ce que là, en fait, c'est ici que vous ressentez de l'esprit goth aussi ? Bah, on a une réverbération naturelle qui est tellement énorme. Et c'est vrai que c'est typique de ce qui se passe quand on chante dans des gros monuments de vieilles pierres. Les murs sont faits des mêmes pierres d'église, hein, sauf que là, ils sont massifs. Ce n'est pas des machins scellés. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Toutes les galeries sont faites parce qu'on a extrait les murs pour faire des pierres d'église. C'était une ancienne carrière. Donc on a la même matière. Il y a ce lac qui doit réverbérer le son de façon importante. Et c'est encore plus obscur que dans la plus belle cathédrale ou dans un truc comme ça. Mais les sons sont proches, c'est vrai. Et techniquement, c'est un effet absolument impossible, très recherché dans les studios d'enregistrement. Hein, ce sont les machines d'effet qui coûtent le plus cher. Les meilleurs studios ont des réverbérations qui paraissent de plus en plus naturelles. Et des fois, il suffit de trouver un endroit où ça sonne naturellement. C'est sympa de revenir dans les sources des réverbes, les vrais réverbes. C'est pour ça qu'il faut que cet endroit reste secret. Oui, hein, c'est vrai. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Pendant plusieurs semaines, j'ai été initié au monde gothique et j'ai découvert une tribu aux apparences troubles. Un message de fond pas toujours clair et souvent camouflé derrière un look lugubre ou ostentatoire. Avec le temps, le mouvement gothique me semble s'être laissé envahir par de nombreux courants, le rendant finalement assez confus. Pourtant, l'authentique passion des Rosa Crooks, le charme désarmant de Stéphanie, ma rencontre avec Andy et leur soif de liberté auront fait de ce voyage une expérience profonde et surtout unique. Et celui qui a réalisé ce documentaire, eh bien, il est avec nous, Olivier Delacroix. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Ça va bien ? Monsieur Etienne, ça va. On a toujours été des trucs un peu bizarres dans notre jeunesse. Moi, j'étais New Wave. T'étais gothique, toi ? Non, j'ai eu une petite tendance punk. Ouais. Punk New Wave, en fait. Je crois que les Cure ont pas mal influencé notre jeunesse, à toi et à moi, ouais. Donc voilà. Les Cure, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Ouais. D'abord, j'aimerais te montrer quelque chose. Ce que pense l'homme de la rue, mm-hmm. ou la femme de la rue, le kidam, justement, de ces gothiques. D'accord. On regarde et puis tu me dis ce que t'en penses juste après. Si je te dis gothique, tu penses à quoi ? Au noir, immédiatement, les yeux maquillés, les chemises sombres, les crucifix, les vampires, évidemment. Les gens tous habillés, tous en noir, maquillés,
blanc, les cheveux raides, noirs, un peu bizarre, excentrique. Ils sont désespérés de la vie. Ça serait plutôt renfermés sur eux-mêmes et à l'écart du monde. Toujours à se reposer des questions parfois morbides et avec un esprit un peu de mort. Pointe de tristesse, mais enfin surtout du costume et surtout du une façade. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier ? Ils ont bon ou pas, ces gens, sur les boutiques ? Je pense qu'on est encore pareil dans des gens qui survolent un peu le truc. C'est les idées reçues ? Bah, quand on parle du noir, de tout le côté esthétique, crucifix, robe, on est dedans, mais ce ne sont pas du tout des...